La guerre des drapeaux a trouvé son épilogue heureux ce mardi soir sur la façade du Negresco. Un étendard Nissart flotte désormais lui aussi sur le fronton du célèbre 5 étoiles niçois. Sous le regard de Madame Augier et de Jean-Marc Jomme, cet immense drapeau niçois vient couper court aux polémiques provoquées par l'accrochage du drapeau breton quelques jours auparavant. Et Madame Augier, eh bien, elle est bretonne, elle exprime son identité. Je pensais qu'il était normal aussi de lui faire cadeau, puisqu'on lui avait fait cadeau ce drapeau breton, de lui faire cadeau du drapeau niçois qu'elle a accepté, elle a été émue. Et regardez, hein, pour preuve, elle l'a affiché devant la façade. Et donc, elle est bretonne et niçoise. Et donc, aujourd'hui, pour ce centenaire, c'était le moyen, non pas de clôturer une polémique, mais de faire la passerelle entre plusieurs identités. C'est ça aussi Nice. Il est très beau ce drapeau et je suis heureuse qu'il flotte ici. Enfin, j'ai lutté 50 ans hein, à Nice pour qu'on accepte. Mais là, je suis ravie. C'est un jour de fête pour moi aujourd'hui.